Bonjour, bonjour et bienvenue pour encore sur Cuisine Patisse. La recette d'aujourd'hui, c'est de la viande hachée fourrée au fromage. Je commence à vous présenter mes ingrédients. 500 g de viande hachée, du fromage pour raclette, des lardons coupés finement, poivre, ail, du persil, du sel, du magie, c'est facultatif, un peu de piment, des échalotes que je vais accompagner avec de la pomme de terre et de la banane. Sans oublier l'oignon, l'huile d'olive. Je vais commencer par piler l'ail, persil, poivre. Une fois vous finissez de piler ail, poivre et autres, je vais rajouter un peu d'huile d'olive. Ensuite, le magie. Un peu de sel. Et la viande hachée. Malaxer le tout. C'est tout bien mélangé. Rajoutez de l'oignon coupé finement. Bien mélangé. Découpez aussi les fromages en petits dés. Vous empoisonnez un peu de fromage. Voilà, c'est bien empoisonné. Ensuite, de lard que vous enroulez autour. J'ai allumé mon four à 200 degrés. Je vais mettre un peu d'huile d'olive dans le fond du plat. Je reviens vous dire le temps de cuisson. J'ai allumé mon four à 200 degrés. Et je vais mettre un peu d'huile d'olive dans le fond du plat. Et tout à l'heure, je reviendrai vous donner le temps de cuisson. En attendant, je vais faire cuire mes pommes de terre en robe de champ. Ensuite, je vais faire revenir mes échalotes, du sel, poivre. Un peu de ciboulette et les champignons de Paris que j'avais oublié de parmi mes recettes. Les pommes de terre sont cuites, je vais retirer la peau.
Ensuite, il faut découper en rondelles. Et je renverse le tout sur les champignons. Quarante minutes de cuisson, pas plus, pas moins, c'est selon mon four, mais c'est à vérifier avec vos fours. Pour mes abonnés musulmans, vous pouvez faire la même, vous pouvez réaliser la même recette sans enrouler votre viande avec du lardon, parce que le lardon c'est du porc. Donc voilà, je suis vraiment désolée. Je viens vérifier. Ça a pris juste 5 minutes parce que la patate, vous devez la pré-cuire en robe de champ. Voilà, pas trop cuite pour pouvoir la faire revenir avec les oignons, comme j'ai fait, des échalotes, des champignons.